Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci beaucoup à Cécile Vigour et Grégoire Niangot de leur présence également. Nous utilisons des micros parce que cette séquence est enregistrée et diffusée, hein, mais vous n'entendez pas d'amplification, ce qui est un petit peu curieux pour nous. Nous nous retrouvons pour ce rendez-vous régulier maintenant de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, intitulé Arrêt sur recherche, sur une idée originale de Sarah Albertin et Joël Ubrecht notamment, qui vise à présenter des recherches qui ont été financées par notre groupement d'intérêt public et à les présenter de manière succincte. Et à pouvoir faire réagir un ou une praticienne, un praticien ou une praticienne, par rapport aux conclusions de ces recherches. Donc, nous avons un beau programme d'arrêt sur recherche. Le 3 février prochain, cour criminelle départementale. Le 24 mars prochain, l'expertise économique en droit de la concurrence. Et le 4 avril prochain, la sociologie de la magistrature française. Voilà pour le programme. Aujourd'hui, donc, un thème absolument passionnant et extrêmement important pour nous, puisque c'est vraiment la perception de la justice par les citoyens et les citoyennes, une recherche d'immense qualité, je le redis et je l'ai dit à de nombreuses reprises, qui a été pilotée par Cécile Vigour, directrice de recherche au CNRS et directrice du centre Émile Durkheim Sciences Po Bordeaux, avec une équipe composée de Monsieur Bartolomeo Capellina, Laurence Dumoulin et Virginie Gautron. Vous avez donc rendu cette recherche l'année dernière, qui a déjà été bien diffusée, mais qui demeure de grande actualité. Hein, et vous venez de publier, je vous remercie de l'ouvrage, La justice en examen au PUF à partir des travaux de cette recherche. Donc aujourd'hui, c'est un format qui se veut évidemment assez condensé. Donc, on sera loin de pouvoir examiner l'ensemble des éléments de cette recherche. Donc, je vous invite également tous à la lire. Mais nous allons pouvoir avoir une présentation de deux axes principaux. Hein. Et la réaction de Grégoire Niangot, donc avocat, membre du Conseil national des barreaux et également directeur du Centre de recherche et d'études des avocats, le CREA, avec lequel voilà, il y a une longue tradition de collaboration. Hein. Merci beaucoup, Maître Niangot, de vous être rendu également disponible. Nous commençons tout de suite. Je rappelle pour ceux qui sont en ligne, alors pour ceux qui sont présents, bien évidemment, la possibilité à l'issue de la présentation de pouvoir poser des questions, puisque l'objectif c'est aussi de pouvoir un peu interagir avec le public. Et pour ceux qui sont en ligne, la possibilité d'utiliser le chat hein, et on synthétisera vos questions pour pouvoir les poser. Hein. Donc tout de suite, je passe la parole à Cécile Vigour pour peut-être une première introduction hein, sur les raisons du choix de cette recherche et la méthodologie très particulière qui, je pense, a beaucoup contribué aussi à la richesse des résultats. Cécile Vigour. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir présenter cette recherche au nom de toute l'équipe. Alors, pourquoi on souhaitait aborder le point de vue des citoyens sur la justice? On a réalisé en 2015, quand on a réfléchi à ce projet de recherche, qu'il y avait paradoxalement peu de travaux qui présentaient le point de vue des citoyens, leur rapport au droit et à la justice. Et ça nous semblait vraiment indispensable de mieux comprendre et surtout d'appréhender de manière plurielle les rapports au droit et à la justice. Un autre objectif qui nous a motivés, c'est qu'on souhaitait s'intéresser aussi bien à celles et ceux qui n'avaient aucune expérience de la justice qu'à celles et ceux qui avaient une expérience en matière civile et également en matière pénale. Ça nous semblait très important,
de ne pas réitérer un biais fréquent dans les travaux sur la justice, à savoir privilégier la justice pénale. Donc ça, c'était vraiment deux éléments importants. Ensuite, on a fait le choix de s'intéresser aussi bien aux représentations qu'aux expériences concrètes éventuelles de certains des enquêtés. Les représentations, ce sont des schèmes de pensée, c'est ce qui nous permet de donner du sens à ce qu'on observe, à ce qu'on vit. Et c'est important de contraster des représentations générales avec des pratiques, des expériences concrètes de confrontation au droit et à l'institution judiciaire. Comment nous avons procédé pour enquêter ? Nous avons à la fois réalisé des entretiens collectifs, ce sont des groupes de discussion d'une durée de 3 heures, avec entre 3 et 8 participants. On a fait des groupes aussi bien sans expérience de justice, des groupes avec expérience de la justice civile, principalement les affaires familiales et prud'homales, et puis des expériences en matière pénale, donc aussi bien des auteurs, des victimes, des témoins, des jurés de cours d'assises également. Et puis, on a même eu un groupe de professionnels du droit, parce qu'on a eu beaucoup de volontaires parmi les professionnels. Or, une de nos hypothèses, c'était que le fait d'être familier au droit change la manière dont on perçoit et dont on vit des expériences de confrontation avec l'institution judiciaire. Ensuite, on a réalisé un questionnaire auquel 2350 répondants, avec 2350 répondants, ce qui a permis de comparer les données réalisées de manière qualitative avec des données quantitatives. Et puis peut-être un dernier point, nous avons fait le choix de ne pas adopter de cadre théorique a priori. Et une fois que nous avons analysé l'ensemble des données recueillies, il nous a semblé qu'une approche intéressante était une approche en termes de réception de l'action publique. C'est le fait de voir quels sont les effets d'une politique publique, ici les politiques judiciaires, depuis les politiques d'accès à la justice jusqu'aux politiques pénales ou aux politiques civiles et à la manière dont fonctionnent les tribunaux. Et en s'intéressant aussi bien aux effets pratiques des interactions avec des avocats ou les effets pratiques des décisions judiciaires, le fait d'obtenir ou pas une pension alimentaire, d'obtenir la garde de son enfant ou une tutelle par rapport à un proche. Il y a des effets subjectifs. On s'est intéressé aux émotions dans les confrontations à l'institution judiciaire. On s'est intéressé aux images en leur posant explicitement la question. Une politique publique a aussi des effets symboliques. Donc, ce qui ressort dans les enquêtes, c'est par exemple être rétabli dans sa dignité, par exemple dans le cas d'un conflit avec son employeur, et des effets cognitifs aussi. Les citoyens peuvent se réapproprier une politique ou des symboles de la justice. C'était l'enjeu, par exemple, de la couverture du livre, d'avoir une grande fresque murale dans un style street art pour reprendre une image iconique de la justice, celle d'une femme, l'allégorie de la justice avec la balance dans ses mains et puis le bandeau sur ses yeux. Voilà ce que je pouvais dire déjà comme première introduction de l'ouvrage. Merci bien. Maître Nyongo, peut-être du point de vue de l'avocat. Alors, j'ai pris connaissance de cette étude avec beaucoup d'intérêt, et d'autant plus d'intérêt que j'appartiens à une profession qui évolue, évidemment, depuis son existence, et de manière accélérée sur les dernières décennies. C'est une profession qui est confrontée à des difficultés d'identité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être avocat ? Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 22 ans. Par exemple, sur la question de la documentation, les clients n'avaient aucune documentation. Et ils venaient voir l'avocat, parfois, pour avoir une réponse qu'aujourd'hui, on peut trouver très facilement sur Internet. Aujourd'hui, à l'avocat, on demande autre chose. Cette étude, elle est intéressante parce que l'idée principale est de contourner les biais qui, souvent, président aux analyses que l'on peut effectuer.
Avec le Centre de recherche d'études des avocats, on mène actuellement une grande étude sur la demande de droit et on essaye aussi de contourner ces biais. Et je trouve que l'idée de ces chercheurs de partir du citoyen, et c'est vrai que en fait, ces études-là ne se trouvent pas facilement, le point de vue du citoyen sur la justice, plutôt que partir des professionnels, c'est pour les avocats une source de renseignement qui est très précieuse. Et à travers la lecture de cette étude, on peut aussi réfléchir à l'identité de l'avocat. Qu'est-ce que le citoyen attend de la justice? Qu'est-ce que la justice peut donner aussi aux citoyens? Et qu'est-ce que le citoyen attend de l'avocat? Merci beaucoup. Cécile Vigour, donc peut-être premier temps de votre présentation, même si encore une fois ça ne retrace pas toute la recherche, en partant un petit peu d'un constat que ce sont les médias qui sont un peu les premiers vecteurs de communication sur la justice et donc qui forgent un petit peu les représentations de la justice que les citoyens peuvent se faire. Alors, par rapport à cette question du rôle des médias dans... en matière d'influence sur les représentations abstraites que peuvent se faire les citoyens, c'est parfois difficile d'identifier et de démêler ce qui relève des médias et de leur cadrage spécifique ou ce qui relève du fait de transmettre des cadrages, par exemple assurés par les partis politiques ou aussi de diffuser des questionnements propres au sondage d'opinion. Mais je vais vous donner trois exemples dans notre recherche où on a vu vraiment un effet de la médiatisation de certains enjeux propres à la justice. Premier exemple, c'est la question de la supposée clémence judiciaire excessive de la justice. Notre recherche est intéressante de ce point de vue-là parce que quand on interroge les citoyens sur le fonctionnement de la justice, c'est un élément qui revient de manière... massive, le fait que les magistrats seraient trop cléments et les enquêtés citent dans les groupes d'échange aussi bien le classement sans suite des affaires, l'exécution trop tardive ou l'inexécution des décisions judiciaires, des peines qui seraient insuffisantes, etc. Et donc, pour ce qui est des représentations abstraites, on retrouve des résultats assez proches de ce qu'indiquent les sondages d'opinion. Donc ça, c'est un premier point qui nous a semblé intéressant. On le voit, cette critique, elle est particulièrement forte pour trois types de délinquance. La délinquance des mineurs, et là, par exemple, avec des débats sur est-ce que, notamment pour les 16-18 ans, est-ce que c'est légitime qu'ils soient ces auteurs soient traités différemment? Et ça, c'est vraiment en lien avec la construction politique du débat, avec un certain nombre de partis qui ont déposé des propositions de loi pour modifier, et le fait que la justice des mineurs ait fait l'objet de réformes plus récentes. Un deuxième type de clémence judiciaire excessive concerne les atteintes physiques à l'intégrité des personnes. Et le troisième type, alors que aucune question ne portait précisément sur ces types de délinquance, ce serait la délinquance économique et financière qui ne serait pas suffisamment sanctionnée, notamment en contraste avec les infractions routières, là où il y a accord massif des enquêtés sur le fait que ce serait vraiment trop fortement sanctionné. Ce qui est intéressant, c'est que ces représentations abstraites, elles sont structurées socialement et politiquement. Là, j'en viens au résultat par l'analyse quantitative. L'idée d'une clémence excessive est davantage soutenue par les enquêtés de droite. Elle est davantage soutenue par les personnes les plus âgées et par les personnes les moins diplômées. Cette représentation est également davantage soutenue par les personnes qui ont des expériences de la justice et notamment celles et ceux qui ont eu affaire à un classement sans suite et puis des expériences de la police, celles et ceux qui ont eu affaire à un refus de dépôt de plainte en commissariat. Ce qui est intéressant, c'est le contraste entre ces représentations abstraites
Et le point de vue que développent les citoyens, que ce soit dans l'enquête qualitative ou dans l'enquête quantitative, si on les interroge sur des affaires concrètes. On leur donnait trois petites histoires concrètes et on leur demandait si le juge, d'après vous, quelle décision il prend. Si vous étiez juge, quelle décision prendriez-vous? Et là, le résultat à retenir, c'est la double attente des citoyens en termes de punir et éduquer. Et je vais revenir sur ces deux termes. Il y a vraiment l'idée qu'il doit y avoir sanction. Mais ce qui nous a encore plus frappé, c'est l'insistance sur l'enjeu pédagogique. Pédagogique, c'est un terme qui revient en permanence dans les groupes de discussion. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est l'idée d'une pédagogie de la loi et d'une une pédagogie de la peine et une pédagogie des professionnels du droit. Qu'est-ce qu'une pédagogie de la peine selon les enquêtés? Ils se réfèrent par là, notamment dans les groupes de discussion, alors qu'on ne proposait aucun type de peine, aussi bien les stages et le travail d'intérêt général en lien avec l'infraction. La pédagogie, elle n'est que s'il y a un lien avec l'infraction, donc un stage dédié à la question des violences en cas de violence conjugale, par exemple, la question des soins en cas d'alcoolisme, au volant, etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui est frappant, l'insistance sur la pédagogie de la peine, et la peine qui est considérée comme apédagogique, c'est vraiment l'amende, qui plus est injuste socialement, puisqu'elle est relativement indolore, notamment pour ce qui est des infractions routières, mais pour les classes les plus aisées de la population. Toujours concernant ces éléments concrets, la pédagogie attendue des magistrats et des avocats pour expliquer le sens de la peine. Et l'idée, c'est que la peine et les explications apportées doivent permettre aux auteurs de prendre conscience de la gravité des faits et de changer leur comportement. Ce qui est intéressant aussi par rapport au cas concret, c'est qu'il n'y a plus d'influence des variables politiques et sociodémographiques dont je vous parlais. C'est-à-dire que les plus punitifs dans la discussion générale, enfin ceux qui sont les plus critiques du laxisme supposé de la justice, ne sont pas les plus punitifs dans les cas concrets. Et ça, on l'observe aussi dans l'enquête quantitative. On aurait pu s'attendre à ce que les plus punitifs soient systématiquement les plus punitifs. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'on observe. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que il y a une, dès lors qu'on est confronté à une situation concrète, les citoyens prennent en compte le contexte dans lequel est survenue l'infraction, les caractéristiques, certaines caractéristiques de l'auteur, est-ce qu'il y a récidive ou pas, et donc je n'ai pas le temps de développer sur ce point, mais il y a des similitudes assez fortes avec ce que les un certain nombre de critères que prennent en compte les magistrats quand ils décident, parce que pour un des cas, on avait pris un cas qu'on avait étudié dans le cadre d'une enquête avec des professionnels. Et donc, les principes d'individualisation de la peine, même s'ils n'utilisent pas ce terme-là, de gradation de peine plus forte en cas de récidive ou d'antécédent judiciaire. Donc ça, ce sont des principes communs. Si j'ai le temps de développer peut-être un autre exemple sur l'influence de la médiatisation, je prendrai peut-être le cas de la détention. On n'avait aucune question sur ce point. Et il y a deux éléments qui sont ressortis de manière frappante. C'est d'une part les critiques très fortes à l'égard des conditions indignes de détention. Donc ça, on voit très bien que c'est un effet de la médiatisation. Un certain nombre d'enquêtés citent des reportages sur certaines chaînes de télévision. Une critique de la surpopulation carcérale et également une critique des effets de la prison par rapport à l'objectif de transformer les auteurs, dans le sens où, suite aux affaires de terrorisme, un certain nombre de cas ont été mis en évidence et qui sont cités dans les groupes de discussion pour montrer que des trafiquants de drogue se sont radicalisés
et donc de se dire qu'il peut y avoir des effets pervers à la détention. Pour autant, les enquêtés expriment le fait qu'il est impossible de se passer. Il serait impossible de se passer de cette peine-là, et elle reste, dans le questionnaire, c'est manifeste, une peine de référence pour eux. Merci bien. Cécile Vigour, Grégoire Niongo. Oui, sur cette question du paradoxe, pour le citoyen dans son rapport à la justice entre la sévérité et le laxisme. Alors, j'ai relevé dans une étude qui concerne les automobilistes, que vous avez fait allusion, le fait que 78% des automobilistes considéraient qu'ils étaient des bons conducteurs. Et puis, 70% des automobilistes considèrent que les autres sont des mauvais conducteurs. Je crois que quand on parle de justice, il faut garder ce chiffre-là en tête. Pour les clients, la justice est toujours trop sévère quand elle les concerne eux. Et quand elle concerne l'autre, elle est souvent laxiste. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que quand ces mêmes clients ont pu participer à l'œuvre de justice, par exemple, quand ils ont été jurés devant une cour d'assises, ils ont un discours qui est beaucoup, beaucoup plus réfléchi. Ils se rendent compte que la tâche de juger est extrêmement difficile. Ils se rendent compte aussi que finalement, les peines qu'ils ont pu contribuer à prononcer sont proches de celles qu'ils peuvent voir dans les journaux à propos d'affaires plus ou moins célèbres. Et là, on voit que dès lors qu'ils sont impliqués dans la décision, dès lors qu'ils mesurent la difficulté de la tâche, ils sont obligés de réfléchir à ce que c'est que rendre la justice. Et ils intègrent tous ces éléments dont vous avez fait état, par exemple cette idée de personnalisation de la peine. Oui, certes, il y a les faits, mais il y a aussi la personnalité de l'auteur, il y a tout ce qu'il a pu vivre avant. Moi, je peux le vivre aussi dans mon cabinet quand je prends des stagiaires. Et que on regarde ensemble des dossiers. En général, au départ, je leur explique le contenu du dossier et puis la peine qui finalement a été prononcée parfois. Et leur réaction est toujours, enfin quasiment toujours, quand je défends la personne qui est poursuivie, de dire bah, dis donc, c'est pas cher payé, quel laxisme. Moi, si ça avait été moi, j'aurais prononcé une peine beaucoup plus élevée. Et puis ensuite, quand ils lisent le dossier, quand ils voient, par exemple, quelle a été l'enfance de la personne, comment elle s'est retrouvée à commettre les faits qui lui sont reprochés, eh bien, on voit que leur jauge baisse en sévérité. Alors après, pour la profession d'avocat, sur cette question de la médiatisation, ce qui est compliqué dans le positionnement de l'avocat, je vais essayer d'avoir le moins de langue de bois possible, j'essaie de ne pas en avoir du tout d'ailleurs, c'est que nous, on est une profession libérale et on fonctionne avec des clients. Ce qui fait que l'avocat, parfois, peut avoir un intérêt à la médiatisation, un intérêt personnel à la médiatisation. Je veux dire qu'un avocat très médiatisé, son cabinet va pouvoir tourner plus facilement, il va avoir peut-être davantage de clients. Mais aussi, l'avocat, il est auxiliaire de justice. Ça veut dire que cette médiatisation, par moment, elle devient une nécessité dans le cadre de certaines affaires. Le problème, après, c'est qu'est-ce qu'on médiatise et qu'est-ce que l'on dit sur les plateaux. Il y a une affaire récemment dans laquelle, alors je crois que c'était l'affaire de la petite Lola, il me semble. L'avocat qui défendait la personne qui est mise en cause a été invité sur un plateau et n'a rien dit. Il a dit, moi, je suis tenu au secret professionnel, je ne vous dirai rien. Je crois qu'on ne l'a vu qu'une seule fois. Il n'est plus jamais revenu sur un plateau. Pourtant, ce qu'il a dit était absolument parfait d'un point de vue déontologique. Mais parfois, dans cette situation-là, on est obligé de réfléchir à ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Est-ce qu'on doit parler? Est-ce qu'on ne doit pas parler? Et je le dis même quand on est complètement indépendant de toute considération d'ordre commercial ou concurrentiel. Bon, moi, j'ai la faiblesse de penser que dans ma profession, l'immense majorité des avocats, quand ils viennent sur un plateau de télévision ou quand ils répondent aux questions des journalistes sur cette question de la médiatisation, ils gardent en tête leur déontologie et ils gardent en tête aussi l'intérêt du client. Et là, je rejoins ce que vous avez expliqué sur aussi la manière dont sont perçues les décisions de justice.
il y a, à mon sens, un rôle important de l'auxiliaire de justice qu'est l'avocat dans la réception des décisions de justice. L'avocat, il doit aussi expliquer aux gens pourquoi telle ou telle décision a été prise. Cela étant, c'est aussi son intérêt. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on comprend à mesure qu'on avance dans sa carrière d'avocat, c'est qu'il y a une importance à bien expliquer au client ce qui risque de se passer. Et je pense que un client apprécie l'avocat qui lui a bien expliqué ce qui risquait de lui arriver. Et parfois, en tant qu'avocat, on est étonné de la manière dont sont reçues aussi les décisions de justice. C'est-à-dire qu'on a expliqué avant, on a exposé le risque, on sent l'angoisse chez le client, je parle ici de décisions civiles, pénales ou administratives. Et quand la décision arrive et qu'elle n'est pas très bonne, parfois, soit on est plus affecté que le client quand on lui donne la décision. Parce que quand on lui donne la décision et que ça correspond à ce qu'on lui avait dit au départ, finalement, il vous dit, vous me l'aviez dit. Alors, juste une petite anecdote, peut-être sans exagérer mon temps de travail, de parole. Vous voyez, l'avocat que je suis, je me tourne vers le juge pour savoir si je peux ajouter quelque chose. Je vais utiliser cette fameuse technique pour dire, pour conclure, puis je vais le dire 10 fois. Non, je ne le dirai qu'une fois, je vous rassure. Souvent, quand on ouvre un dossier, quand on est avocat, on a une espèce de conditionnement aussi du cerveau. C'est-à-dire que on lit l'affaire et on se dit, il va se passer ça. Et puis après, on se met en mode avocat, on dit non, je vais soulever ça, je vais soulever ça, je vais soulever ça. Et puis, on le soulève. Et parfois, à la fin, il se passe très exactement ce qu'on avait dit au départ. Et on regarde la décision et on dit, ah, c'est dégoûtant. Et puis après, on relit ses notes du début, on se dit, bah non, en fait, c'est juste. Merci pour ces anecdotes qui permettent effectivement d'illustrer un peu ces perceptions. Et puis on reviendra sûrement sur les relations entre l'avocat et son client et le rôle que l'avocat peut jouer dans ce contexte. Maintenant, peut-être deuxième question sur la place de l'ensemble des professionnels du système judiciaire et le rôle qu'ils jouent sur les représentations par nos concitoyens. Alors, je vais commencer déjà par dire que je ne parlerai pas du procureur, parce que alors qu'il joue pourtant un rôle, et du parquet, les magistrats du parquet de manière générale, alors qu'il joue pourtant un rôle essentiel dans les décisions judiciaires, puisque les magistrats du parquet en matière pénale, si on inclut les homologations, prennent déjà depuis une quinzaine d'années jusqu'à 60 à 70% des décisions en matière pénale, eh bien dans les groupes de discussion, il n'en est quasiment jamais question, alors même que au cours de l'échange, on présentait des extraits d'un film documentaire sur la justice où une substitute du procureur intervenait dans une affaire. Donc on s'est dit que dans le questionnaire, cela n'avait pas de sens de poser des questions sur un type de professionnel qui ne faisait pas sens pour une très grande majorité de la population. Mais c'est un point que je voulais souligner. Ce qui nous a vraiment frappé du point de vue des professionnels, c'est l'écart entre le niveau de confiance assez élevé à l'égard des professionnels, qu'il s'agisse des gendarmes et policiers, 84%, dans notre enquête quantitative, à l'égard des juges, 70%, soit autant que le maire, et des avocats, autour de 60%, sachant que pour conserver la comparaison, la confiance à l'égard des ministres ou des parlementaires est de l'ordre de 30%. Parce que ce qui compte dans ce type de questions-là, c'est les relations, c'est pas le chiffre en soi, c'est les écarts, entre guillemets, le classement, pour le dire vite, c'est pas le terme scientifique qui convient, mais... Donc, l'écart entre ce haut niveau de confiance à l'égard des professionnels et des critiques parfois un peu rudes sur l'institution, sur l'organisation et même sur certaines pratiques professionnelles. Donc, l'enjeu, c'était de comprendre comment expliquer cet écart. Par ailleurs, notamment dans les groupes de discussion, on a eu beaucoup d'éléments qui permettaient d'établir explicitement ou en creux ce qui était attendu,
d'un bon magistrat, d'un bon policier ou d'un bon avocat, et c'est l'objet d'un livre complet du livre. Et donc, pour un magistrat, par exemple, c'est un tiers indépendant, impartial, qui est attendu, qui prend une décision juste et qui fait preuve d'une autorité adaptée à la situation. Alors, cette discussion de l'autorité, à la fois le fait d'en imposer et de faire respecter la loi, mais toute la difficulté de ne pas être autoritaire non plus, et donc de s'adapter aussi à l'auteur et à ses capacités d'adapter éventuellement son langage et de se rendre compréhensible dans les mots utilisés. Et donc on revient à ces enjeux de pédagogie. Ce qui nous a vraiment frappé de manière générique aussi, c'est la manière dont les enquêtés identifiaient des hiérarchies au sein des professions, et notamment au sein de la profession d'avocat. Par exemple, pour les avocats, il y a une enquêtée qui parle d'un argus des avocats entre les ténors, justement ceux qui sont très médiatisés. À l'autre bout de l'échelle, il y a les avocats qui pratiquent surtout l'aide juridictionnelle, ceux qui seraient moins expérimentés, certains qui s'impliqueraient peut-être pas autant qu'il le faudrait dans les dossiers. Et puis, voilà, toute la gamme intermédiaire. Donc, une appréciation à la fois de la hiérarchie et puis une appréciation en termes de ce qu'on appelle en sociologie ce qui est le sale boulot, donc les activités qui sont les plus dépréciées parmi un groupe professionnel, celles qui sont les moins valorisées, celles qui sont vraiment jugées rébarbatives, qui motivent le moins, et ce qu'en sociologie on appelle le vrai travail, ce qui motive ce pourquoi on fait ce métier et qui donne envie, entre guillemets, tous les matins d'aller au travail. Ce qui nous a vraiment frappé, c'est que les activités qui sont les plus appréciées, il n'y a pas nécessairement correspondance entre les activités qui sont jugées les plus cruciales pour les citoyens et celles qui sont effectivement les plus appréciées, les plus valorisées dans une profession. Je vais prendre un exemple concret concernant les policiers. C'est la question du traitement des violences conjugales. Pendant longtemps, alors des collègues qui travaillent sur ces questions-là m'ont dit que ça changeait dans les pratiques professionnelles, vu que c'est une priorité politique, sociale, et que c'est, là encore, c'est un enjeu qui est maintenant systématiquement médiatisé. Mais pendant longtemps, comme du point de vue de l'enquête, il n'y a pas besoin de faire des prouesses techniques, ça ne correspond pas à l'image un peu du fin limier. Ce n'est pas les compétences les plus valorisées dans la profession policière longtemps ont expliqué le fait que ce n'est pas les affaires qui étaient les plus investies par les policiers. Alors que pour les citoyens, je vous ai indiqué l'importance attachée aux questions relatives aux atteintes à l'intégrité physique des personnes. Là, c'est considéré pour les citoyens comme un enjeu majeur. Voilà ce que je pourrais dire. Il sera toujours temps de revenir si besoin dans les échanges. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a chez nos citoyens une importance, en fait, un attachement au fait que leurs affaires soient traitées par le système judiciaire. C'est-à-dire que les citoyens acceptent le principe même, enfin, dans leur immense majorité, c'est le sentiment que j'ai, du traitement par le système judiciaire, et ensuite ils ont des exigences par rapport au système judiciaire pour pouvoir avoir une adhésion à la décision qui ensuite a été prise, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Et je trouve que c'est frappant ce que vous avez dit sur le juge qui doit être, j'ai noté, indépendant, impartial et dont le comportement doit être adapté. Alors nous, souvent, ce à quoi on est confronté, c'est ce sentiment d'inégalité, et pour reprendre l'expression qu'on entend très souvent, le pot de terre contre le pot de fer. Moi, je pratique, par exemple, souvent la juridiction administrative, et c'est le sentiment des administrés quand ils sont en face de l'administration, cette idée que, au fond, il va être difficile pour eux d'obtenir quelque chose. Là, il y a un rôle, je crois, assez fondamental de l'avocat, justement, sur cette question de la prévisibilité. C'est-à-dire que si vous vendez du rêve aux gens, au final, ce sentiment, il est encore accru, et je pense que
globalement, pour la démocratie, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose que les gens aient le sentiment que selon que l'on soit puissant ou misérable, les jugements feront de vous, etc. C'est une mauvaise chose que ce sentiment soit très répandu. Et je trouve qu'un des enseignements de cette étude, sur la confiance que les citoyens portent, notamment aux juges, alors 60% pour l'avocat, c'est deux fois plus que pour le politique. Bon, je vais me consoler comme ça, je trouve que ce n'est pas un chiffre très, très satisfaisant. 70% pour le juge, c'est déjà pas mal par rapport à ce que nous, on peut entendre dans les cabinets quand les gens sont confrontés à la justice. Et je me disais aussi, en lisant cette étude, que c'est intéressant de voir justement comment évoluent les citoyens, parce que finalement, un citoyen, au jour le jour, ce qu'il veut, je crois, c'est avoir le moins de rapport possible avec l'État au sens général, y compris la justice. Il veut vivre sa vie tranquillement, faire ce qu'il a à faire et ne jamais, en tout cas le moins souvent possible, se retrouver confronté à cette institution. Quand il pousse d'ailleurs la porte de l'avocat, c'est un peu comme quand il pousse la porte du dentiste, quoi. On sent qu'il n'y a pas une grande joie à l'idée de venir chez nous et puis en plus on va leur demander des sous, alors ça c'est terrible. Observation aussi sur ce que vous dites sur la hiérarchie que les gens présentent entre les avocats. Ça, on le ressent comme praticien. Enfin, surtout quand on avance dans sa carrière, on voit bien que le rapport n'est pas le même. Et selon le poids estimé par vos clients, alors je pensais en plus en prenant de l'âge, souvent on prend du poids, mais c'est dans tous les sens du terme. Le poids, votre poids médiatique, votre capacité à exercer une forme de pression que les clients estiment, ils pensent qu'ils ont plus de chances d'obtenir justice. Là aussi, je pense que c'est le rôle de l'avocat. Moi, je sais que je dis aux clients, vous savez, si ça tenait à ça, ça serait quand même très triste. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a absolument aucune justice. Mais le jugement que les gens ont sur les avocats de commis d'office, alors moi, je dis toujours avocat de permanence, je préfère utiliser ce terme-là, aussi pour signifier aux gens que dans un barreau comme le mien, moi, je suis au barreau de Nancy, il y a énormément d'avocats qui sont de permanence, y compris des avocats qui ont un poids médiatique et une expérience considérable. Mais parfois, vous tombez sur eux dans le cadre de votre permanence. Vous pouvez tomber sur un avocat qui a un mois de barre et puis sur un avocat qui a 40 ans ou je pense à une qui doit avoir au moins 45 ans. Elle ne m'en voudra pas si je me trompe, mais elle a au moins 45 ans de barre et elle fait encore les permanences. Et dans la continuité de ce que je disais sur la résolution des cas par le système judiciaire, c'est aussi dans le prolongement de ce que je disais sur le tribunal médiatique. Cette question de la médiatisation, elle interroge aussi parce que il y a parallèlement aux cas qui sont médiatisés et traités par le système judiciaire, la médiatisation de cas qui justement ne sont pas traités par le système judiciaire. On voit ce qui s'est passé au moment de l'émergence du mouvement MeToo avec tous ces cas où les faits étaient par exemple manifestement prescrits. Et puis, en fait, les gens sont allés un peu régler leur compte sur les plateaux de télévision. Et on voit là une espèce de substitution à notre système judiciaire institutionnel, par un tribunal médiatique dans lequel il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de principe du contradictoire, il n'y a pas de principe de loyauté de la preuve, il n'y a plus aucune règle, il n'y a pas du tout d'ailleurs de principe d'impartialité des juges. Et je ne sais pas si... vous avez eu l'occasion de regarder l'émission de Cyril Hanouna, par exemple, dans laquelle vous avez une espèce de pseudo-panel de citoyens qui donnent leur avis sans évidemment aucune connaissance des dossiers et puis qui, à la fin, soumettent une question au public qui regarde l'émission, qui vote. Et puis, vous avez l'animateur qui présente ça un peu comme une espèce d'arbitrage suprême en disant « Ah ben, voyez, 70% des téléspectateurs vous donnent raison à un tel ou à un tel ». Et la cause est ainsi entendue. Merci bien. Peut-être on peut donner d'ores et déjà un petit peu la parole à la salle s'il y a des premières questions. Sinon, il y a évidemment beaucoup d'autres points à aborder. Est-ce que quelqu'un souhaite... Oui, il y a une main qui se lève derrière. Faut que tu... aux magistrats, par rapport aux avocats, c'est quoi, rapidement? Alors, les attentes... Alors, je peux déjà parler des critiques avancées. C'est la question du coût des avocats, du coût
des honoraires et la question du degré d'implication des avocats dans la préparation dans des dossiers, le fait que les clients ne savent pas à l'avance ou difficilement, s'ils ne connaissent pas du tout ce milieu-là, s'ils peuvent se fier à l'avocat. C'est vraiment, et là on en revient à l'étymologie du mot confiance, c'est est-ce que je peux m'en remettre à un avocat pour traiter un litige. Donc ça, c'est vraiment des enjeux importants. Ce qui est attendu de l'avocat, c'est de ne pas prendre en compte simplement ne pas prendre en compte simplement les enjeux purement juridiques. Les enquêtés sont très sensibles au fait de pouvoir déposer tout ce qui l'entoure et dont ils ne vont pas pouvoir parler au juge. Donc, très sensibles à l'idée que c'est à l'avocat de faire le tri entre ce qui est du subjectif, de l'émotionnel, qui n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas de preuves, et ce qui peut être présenté devant le juge. Mais avec l'idée que l'avocat doit pouvoir entendre. Il y a une très grande attente, quels que soient les professionnels, en termes d'écoute, d'empathie, voilà, de prise en compte de la singularité de chacun et une attente forte aussi à l'égard des trois types de professionnels pour ne pas être traité d'abord comme un dossier, comme un numéro, mais d'abord d'être traité comme une personne, quand bien même c'est un contentieux que les professionnels qualifieraient de masse. Donc vraiment cette attention très forte. Et un autre point qui nous a frappé, mais vraiment dans le sillage de cette idée, c'est la différence que les enquêtés, l'importance accordée au prendre soin. Ce qu'en anglais on qualifie de care, par distinction avec le cure, qui est le fait de soigner. Les enquêtés n'attendent pas simplement des professionnels du droit la résolution de leur litige. Ils attendent un prendre soin particulier, spécifique à ces professions et qui est délicat dans le cadre des contraintes propres à l'exercice d'une profession, pouvoir vivre de son métier dans le cadre d'une profession libérale ou dans le cadre des contraintes de nombre de dossiers à traiter par audience et de nombre d'audiences par semaine pour essayer de rendre des décisions dans un délai plus rapide. Je peux faire deux observations pour rebondir sur la question qui a été posée. Sur la question du coût, le Conseil national des barreaux a fait aussi une étude sur cette question de la relation client-avocat-client. Et ce qui ressortait souvent, c'était le problème de la transparence et de la prévisibilité. C'était pas tant le montant que le caractère un petit peu obscur de la méthodologie de fixation. Et il y a une forme d'angoisse du client parce qu'il est pris en charge et puis il se dit combien tout ça va me coûter, mais si le professionnel n'en parle pas de manière frontale, il y a aussi une forme de gêne à aborder ce sujet. Alors je le dis aussi, parfois pour l'avocat lui-même, c'est compliqué à mon avis pour trois raisons. La première raison, c'est que des fois, au départ du dossier, la prévisibilité, elle n'est pas du tout évidente, parce qu'on ne sait pas du tout où tout ça va nous conduire. Moi, j'ai à mon cabinet des dossiers qui ont 15 ans, et si j'avais su au départ que ça allait durer 15 ans, j'aurais annoncé un coût qui correspond d'ailleurs même pas au coût que j'ai finalement facturé, parce qu'il y a un moment où quand je vois monter la note, je me dis c'est pas possible, donc il y a des choses que je finis par faire gratuitement. La deuxième raison, c'est que nous-mêmes, parfois, notamment quand on est jeune avocat, on est gêné pour parler d'argent. Et la plupart du temps, ça conduit les plus jeunes avocats à avoir des difficultés à facturer. Et puis après, une fois que vous avez reçu vos notifications URSSAF et CNBF un certain nombre d'années, vous passez votre blocage psychologique. Non, mais si je vais au-delà de la plaisanterie, il y a parfois une gêne à aborder ce sujet. Et il y a d'autant plus une gêne, pour enchaîner sur ce que vous avez dit, que vous vous retrouvez dans votre cabinet avec quelqu'un qui vous livre quelque chose de très personnel. Et une fois que vous avez eu cette ambiance comme ça, qui des fois est vraiment, c'est très particulier ce qui peut se passer dans un échange entre un avocat et son client, à la fin, vous dire, bon, maintenant on va parler d'argent. Et l'enchaînement, des fois, est très difficile à faire. Avec le développement des assurances de protection juridique, on a au moins cette petite astuce qui consiste à dire, bon, alors est-ce que vous avez une protection juridique? Et ensuite, on peut parler de cette question des honoraires. Mais très franchement, il y a des dossiers, quand les dossiers sont très sensibles, où on n'arrive pas, à la fin du rendez-vous, à parler d'argent. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire, je vais vous aider. Et puis après, une fois que la personne est partie, je me rends compte que j'ai parlé de rien, de cette question financière.
Non pas que ça ne me préoccupe pas, mais parce que on a effectivement cette question du prendre soin. Je ne dis pas que tous les avocats sont comme ça, et je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les matières, évidemment. Je pense que quand vous faites une fusion-acquisition, ce n'est pas la même chose que quand vous défendez un enfant qui a été victime de viol, dans la manière d'aborder le sujet. Et ce que vous avez dit sur les personnes interrogées rejoint aussi sur cette question du care et cure, la distinction qui est faite entre les deux, que je trouve vraiment très pertinente et excellente à retenir. C'est vrai que les gens viennent dans notre bureau et puis, pour reprendre ma métaphore de dentiste, ils déposent leur carie, puis après ils s'en vont. Parfois, nous, on ne dort plus très bien la nuit, une fois qu'on a entendu certaines choses, et on sent qu'eux sont soulagés. Mais il y a cette importance de la discussion qu'ils peuvent avoir avec l'avocat, il y a cette importance fondamentale, vraiment fondamentale, du secret professionnel, et pas tant parce que les gens nous racontent tout, contrairement à ce que parfois croient certains magistrats. On est très, très, très rarement dépositaire du secret quand la personne a commis des faits, par exemple, et les conteste. Moi, je crois que ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière. Les personnes viennent et puis disent, dans toutes les déclarations, elle a dit que c'était pas elle, et puis elle dit, bon, écoutez, moi, je vais vous dire la vérité. Et les deux fois, la personne a passé des aveux la fois d'après, parce que je lui ai dit, mais regardez, c'est pas du tout cohérent avec ce que vous avez dit. En général, les gens nous mentent, ils testent leurs mensonges, et puis nous, on leur dit, oui, mais alors vous dites ça, mais là, il y a votre ADN. Alors, comment vous expliquez qu'il y a votre ADN? Ah, alors attendez, je vais vous trouver une explication. Encore une petite anecdote, si je peux me permettre, mais elle est vraiment savoureuse. Celle-là, c'était un mineur, je me souviens, qui avait il avait les clés d'un garage dans lequel étaient entreposés plein d'objets qui avaient été volés. Et puis, il me dit, je ne savais pas que le garage avait été utilisé pour entreposer les objets. C'est mon ami qui a volé la clé, qui les aime. Je lui dis, mais le garage est à côté de chez vous. Oui. Et il y a des fenêtres, en fait, sur votre garage en haut. Oui, oui. Et quand on passe devant, on voit par les fenêtres s'il y a des objets à l'intérieur. Il me dit oui. Il réfléchit un peu, il me regarde et puis il me dit, elle n'est pas terrible, mon histoire. Je dis, non, effectivement, ce n'est pas terrible. Mais ça, dans le cadre du secret, c'est important que les gens puissent se sentir complètement libres de nous raconter ce qu'ils veulent. Et ensuite, nous, on porte les mots qu'ils veulent que l'on porte, mais il faut qu'ils puissent parler librement. Et c'est vrai que parfois, je pense que ça demande énormément de disponibilité pour l'avocat. Et je crois parfois que certains clients sentent, vous savez, comme quand vous voulez raconter quelque chose de très sensible à quelqu'un, et puis qu'il n'a pas trop le temps, et on sent que la personne n'a pas le temps, et au bout d'un moment, on ne raconte pas la chose qu'on voulait raconter. Bah, c'est important, je trouve, pour les avocats, de faire cet effort que le client ne ressente pas ça. Et pour terminer vraiment, sur l'audience, parce que c'est dans la continuité, il y a une importance aussi fondamentale de l'audience. Et quand on voit les attentes que les gens ont vis-à-vis des avocats, c'est là aussi où je pense qu'il faut essayer d'être le plus franc possible avec le client. Parfois, il y a des clients, moi je ne pratique pas la matière familiale, mais en matière de divorce, ils payent, je vais prendre un pitbull pour qu'il en mette plein la figure à mon ex. C'est à peu près ça la mission de l'avocat, ils ne veulent pas un bon juriste, ils ne veulent même pas forcément un bon orateur, ils veulent un pitbull. Bon, là, c'est le rôle de l'avocat de dire aussi, mon travail, ce n'est pas ça. Mais moi, j'ai été frappé dans ma carrière par le fait que certains clients retiennent de leur confrontation avec la justice les mots qui ont été prononcés à l'audience. Et finalement, pas vraiment la décision, mais il y a des gens qui, 10 ans après, vous parlent des propos tenus par l'avocat adverse ou par le juge qui a fait une remarque ou par le procureur qui a fait une remarque. Et ils ne sont même pas capables de vous dire exactement le sens de la décision. Moi, j'ai déjà eu des gens qui ne se souviennent pas de la peine qui leur a été infligée, mais se souviennent que le procureur les a regardés méchamment ou leur a dit « vous ne vous tenez pas droit » ou je ne sais quoi. Merci d'abord pour la présentation de vos travaux qui donne vraiment envie de lire les écrits. Deux questions. Premièrement, vous présentez bien sûr à juste titre la justice à travers les cas singuliers qu'elle traite. Mais nous savons que la justice a aussi une autre fonction qui est celle de la protection de l'état de droit, cette sorte de co-responsabilité de la démocratie. Est-ce que dans la représentation que les gens que vous avez interviewés se font de la justice, ils intègrent cette dimension? Et si oui, comment? Seconde question plus pratique.
depuis longtemps, notamment la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, suggère beaucoup, encourage beaucoup la distribution de questionnaires de satisfaction dans les juridictions. Et j'ai lu il y a quelques jours qu'au tribunal judiciaire de Lyon, le président et le procureur ont décidé d'avoir recours à cela au sein de leur juridiction. Est-ce que vous avez le sentiment d'une forme d'efficacité de ces questionnaires et peut-être même d'un effet sur la représentation de la justice qui s'intéresserait à ce que les utilisateurs pensent d'elle? Alors, pour la première question, la justice ressort d'abord comme une condition du vivre ensemble dans les groupes de discussion. La première question lors des groupes de discussion était délibérément large pour ne pas imposer de problématique, c'était « la justice, c'est quoi pour vous ?» Et chacun était incité à répondre. Avec des réponses contrastées suivant les groupes, notamment suivant qui avait eu expérience ou pas, des juridictions ou des contacts avec des professionnels du droit. Mais l'élément majeur, c'était vraiment cette idée qui revenait, la justice comme condition du vivre ensemble, quand bien même on n'y recourt pas, c'est-à-dire par sa seule présence, par la seule présence de règles. Donc c'est l'idée que la justice, c'est d'abord des repères collectifs sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, un cadre qui fixe la vie en société, un pilier de la démocratie. Il y a l'idée que c'est aussi une manière de résoudre des conflits. Et en troisième point, c'est vraiment là plutôt un cadrage juridique avec des droits, des lois. Et quand on pose la question ainsi, la sanction n'est pas le premier élément rattaché à la justice. Pour le questionnaire, on ne pouvait pas poser une question aussi générique. Parce que la police est mise dans un questionnaire, c'est vraiment pas ce qui convient. Donc on leur avait demandé, quelle est pour vous la première fonction des tribunaux, puis la deuxième, puis la troisième. Et là, pour le coup, pour les tribunaux, c'est la fonction de sanction qui vient en premier. En revanche, après, on a bien l'idée de résolution des litiges, de cadre, de repère collectif qui permet la vie en société. Donc l'état de droit, l'expression elle-même a dû revenir deux fois sur les 80 participants qu'on a eu dans les groupes de discussion collective. Mais c'est normal quand c'est des citoyens très, très divers. Mais cette idée est vraiment présente, que sinon ce serait la jungle. Donc ça, c'est un premier élément. La question des questionnaires de satisfaction n'est pas apparue dans les groupes de discussion. En revanche, on repère que le fait que le point de vue, un certain nombre des personnes qui ont une expérience de la justice et qui viennent au groupe de discussion, c'est avec l'idée de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils ont mal vécu, ce qu'ils ont bien vécu, en espérant que ça soit utile et que ça puisse permettre de changer l'institution judiciaire. Donc il y a toute une partie des personnes qui ont participé. Donc on peut faire l'hypothèse que certains peuvent être sensibles au fait d'être interrogés quant à ce qu'ils ont ressenti, si tant est que la juridiction en tienne compte après. Il y a vraiment ce souci-là. Ce n'est pas le tout de donner mon avis. Est-ce qu'il en sera réellement tenu compte? On avait beaucoup de questions sur à quoi elle va servir votre recherche. Est-ce que c'était une proposition de votre part? Est-ce que c'était une demande? Si oui, de qui? Voilà ce que je pourrais dire sur ces deux points. Merci beaucoup. Moi, c'est très rapide. En fait, d'abord, je voulais vous prier de m'excuser parce que je suis arrivé en retard. J'ai pas pu assister au début de votre propos. Je suis très intéressé par votre étude, donc sur la confiance, je crois, des Français dans la justice et dans l'institution judiciaire. Donc moi, je représente ce matin en fait un think tank qui s'appelle Continuum Lab, qui est récent, qui est comme le vôtre d'ailleurs. Je crois qu'il a été créé aussi en 2022, l'Institut des études de la recherche sur le droit. Donc Continuum Lab, c'est un think tank qui a été créé en 2021, qui a pour vocation de représenter les métiers de la sécurité intérieure et de la justice en fait dans le cadre du continuum de sécurité. Et nous avons réalisé donc au mois de septembre dernier, dans ce think tank, une enquête sur la jeunesse et ses métiers.
Et voilà, je suis très intéressé, parce que quand vous avez cité tout à l'heure le chiffre sur la confiance des Français dans l'institution judiciaire, les juges et les avocats, vous avez cité le chiffre, je crois, de 70% de confiance dans les juges. Pour les avocats, je ne sais plus, c'est 60 ou 80%, je ne sais plus quel est le chiffre pour les avocats. C'est 60. Mais par contre, les Français ont moins confiance dans l'institution. Et en fait, cette différence, elle est exactement aujourd'hui contenue dans notre étude sur les jeunes. Parce que nous, notre étude, elle a porté sur les 16-24 ans. Elle a été réalisée avec une de vos collègues, Madame Vigour, Madame Muxel, qui est directrice de recherche au CNRS et au CVPOF, qui est spécialiste des jeunes. Et en fait, nous, on voit que les jeunes, ils ont un taux global de confiance dans la justice de 52%, donc qui est globalement faible. Par contre, on leur pose la question après sur l'image des métiers. Et sur l'image du juge comme métier, on est à 70% de bonne image. Donc on a ce décalage, et vous citiez tout à l'heure les métiers de la police et de la gendarmerie, on voit aussi dans notre étude que les jeunes ont plus confiance dans ces métiers-là, même si, voilà, vous le verrez aussi si vous allez sur notre enquête, on leur a posé des questions sur leurs contacts qu'ils avaient avec ces métiers, et il y a des chiffres très intéressants et novateurs, puisqu'on voit que les jeunes 16-24 ans aujourd'hui sont beaucoup en contact par rapport à il y a 30 ans avec les métiers de la sécurité, avec la police notamment, soit pour porter plainte, eux-mêmes de faits qu'ils ont subis, soit parce qu'ils sont eux-mêmes auteurs de faits. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir ces chiffres. Moi, je serais assez preneur. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver peut-être les chiffres de votre enquête. Est-ce qu'ils sont disponibles ou, sur Internet. Sur Internet. Tout à fait. Mais écoutez. C'est accessible. Toute la recherche est accessible sur notre site. Oui, et c'est l'ouvrage. Merci beaucoup. Et ben, les nôtres, si ça vous intéresse, ils sont sur notre site également. Il y a un communiqué et le condensé des chiffres va être bientôt sur le site internet dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci. Alors, plus qu'une. Bonjour. Donc, je suis juge et ancienne sociologue. Je le dis juste pour montrer à quel point cette recherche m'a passionnée. Plus qu'une question, c'était une réflexion. En fait, merci beaucoup de votre travail, parce que moi, ce qui me frappe, c'est la différence qu'il y a entre les éléments d'information que vous apportez sur les attentes, les besoins, les demandes des justiciables, et ce qu'on a habituellement dans ces sondages à la sauvette, hein, qui ne nous disent grossièrement qu'un taux de confiance qui est fondé sur des éléments en réalité dont on ne peut rien faire. Et je trouve que l'apport énorme de votre travail, et en effet, et pour avoir lu l'ouvrage, il est vraiment très très riche d'enseignements, je pense, pour nos professions, et je parle collectivement de l'ensemble des professions de la justice. Je crois sur trois axes principaux qui sont premièrement le rapport que l'on a en règle générale avec les justiciables et notamment la connaissance par les justiciables de l'institution. Ils ne la croisent qu'en tant qu'auteur, en tant que justiciable ou éventuellement en tant que jury, ce qui sera de moins en moins le cas. Et c'est vrai que je suis frappée de l'écart qu'il y a entre leur point de vue a priori et quand on leur soumet des vignettes. Et je pense qu'on a vraiment tous collectivement intérêt à développer la connaissance et notamment des plus jeunes. Voilà, je pense que les actions... Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était le fait que votre recherche, elle interroge les structures. Quand, par exemple, elle parle du temps de la justice, du très long temps que les justiciables, et on le sait tous, mettent à être entendus, et puis du très court temps qu'ils ont pour être entendus. Ça interroge vraiment les structures. Et elle interroge aussi les postures, en ce qu'elle interroge le rapport des professionnels que nous sommes avec, et vous l'avez évoqué, maître, avec les justiciables, comment est-ce qu'on les écoute, comment est-ce qu'on prend en compte ce qu'ils disent. Et je trouve que sur l'ensemble de ces dimensions, on a vraiment énormément à réfléchir sur ce que ce travail nous apporte. Voilà. Donc c'est plus un remerciement qu'une question. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis chargée de mission accès au droit au ministère de la Justice et je souhaitais simplement savoir si les dispositifs d'accès au droit, donc les points de justice, les maisons de justice et du droit, avaient été évoqués par les personnes interrogées lors des entretiens collectifs. Alors, effectivement, ils ont pu être évoqués, mais là, pour le coup, il y a un biais par rapport au contact un biais par rapport aux moyens qu'on a mis en œuvre pour trouver des personnes avec expérience de l'institution judiciaire. Parce que autant on a eu 150 volontaires après diffusion par une mairie de l'annonce de notre recherche, mais pour trouver des enquêtés avec expérience de la justice pénale, c'était, et surtout des hommes de milieux populaires
Par ailleurs aussi des enquêtés de droite. Il a été beaucoup plus difficile d'avoir des volontaires et donc ça a demandé beaucoup d'énergie. Et donc pour les personnes avec expérience, on est allé distribuer des tracts ou solliciter des personnes qui étaient dans des permanences, dans des cliniques du droit, etc. Mais sur le fond, par rapport à votre question, un certain nombre de ces lieux sont connus et néanmoins ne sont pas nécessairement jugés suffisants pour faciliter un égal accès de tous et toutes à la justice. Parce que on ne choisit pas nécessairement l'heure du rendez-vous pour un conseil juridique, parce que une heure de consultation gratuite, par exemple, n'est souvent pas suffisant pour résoudre la difficulté. Mais donc il y a tout un passage du livre où on analyse un débat au sein d'un groupe de discussion entre justement deux images de la justice, le palais de justice, un mastodonte rhumatisant, versus les maisons de justice. Et donc il y a tout un échange pendant 5-10 minutes sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça signifie que le passage du palais à la maison de justice, est-ce que c'est pour autant une justice qui est vraiment plus accessible, avec une chirurgien qui trouve que c'est un changement majeur et qui, elle, eh ben, on parlait du dentiste tout à l'heure, beaucoup de gens lui confient les problèmes, lui confiaient les problèmes qu'il rencontrait, et donc elle se trouvait en position éventuellement de conseiller et donc de parler des maisons de justice. Et un certain nombre de personnes, soit de ce qu'on qualifierait, pour dire vite, de classe moyenne, qui pour autant ne trouvent pas que ça facilite nécessairement leur ou que ce soit suffisant pour permettre un réel accès. Alors on n'avait pas du tout posé de questions là-dessus, mais je me rappelle que dans une enquête du ministère de la Justice en 2013, il y avait que 30% des Français qui connaissaient, qui avaient entendu parler des maisons de la justice. Donc je ne sais pas actuellement ce qu'il en est. Mais ça indique qu'il y a quand même un certain nombre de campagnes qui ont été réalisées depuis. Donc je pense que le chiffre est plus élevé maintenant. Mais on ne doit pas sous-estimer le nombre de personnes dans la population qui ne maîtrisent pas l'écrit, qui ne maîtrisent pas l'accès à Internet, pas au point de trouver des informations. Et même pour les questionnaires, encore faut-il que les personnes soient en capacité de lire, soient en capacité de remplir les questionnaires. Nous, dans nos groupes de discussion, comme on souhaitait avoir aussi accès à des personnes en grande précarité, on a eu aussi des personnes pour lesquelles on a rempli le questionnaire. Donc, et pour lesquelles on ne s'en serait pas rendu compte simplement par l'échange oral de cette difficulté de passer à l'écrit. Juste pour ajouter à ça, nous, on se retrouve souvent dans les cabinets avec des gens qui ont des difficultés à remplir des dossiers d'aide juridictionnelle et à apporter des documents pour pouvoir les déposer. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une grande importance de la notion d'indépendance. Pour rebondir aussi sur ce qui était dit tout à l'heure sur le rôle de la justice comme garante de l'état de droit, c'est vrai que c'est paradoxal quand même. On a une administration qui est l'administration de la justice qui se retrouve parfois à juger le comportement de l'État lui-même. Et il faut que les citoyens aient confiance dans cette institution, dans sa capacité à juger en toute indépendance le comportement de l'État. Quand on est devant une procédure pénale, il faut que le citoyen sente que le juge est capable de dire « bah oui, là, le policier a commis une erreur. Là, effectivement, la règle n'a pas été respectée. » Et c'est vrai que ce rapport, notamment à la procédure, parfois, il est compliqué, je trouve, puisqu'il y a un rôle des médias dans la manière dont ils peuvent, je crois, des fois désinformer les citoyens sur la réalité de ce que c'est qu'une procédure annulée, ce qui arrive quand même pas souvent, et quand ça arrive, c'est qu'en général, il y a quand même eu une grosse bêtise. Je trouve qu'il y a souvent assez peu d'explications sur les raisons pour lesquelles la nullité de procédure a posé problème quant à l'office du juge. Et quant à la manière dont les choses se sont déroulées, et il y a assez peu d'explications quant au fait que l'attachement à la procédure, c'est aussi l'attachement à la démocratie.
Et je trouve que de ce côté-là, il y a un travail global à faire de pédagogie. C'est pour ça que moi, je suis très, très attaché à l'audience et à l'audience en toute matière. C'est vrai que j'ai un office où je fais à la fois du droit privé et du droit public, ce qui n'est pas très courant chez les avocats. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir l'évolution de la place de l'audience au cours des 15 dernières années, où en droit administratif, il n'y avait pas d'audience. Moi, j'ai commencé ma carrière, vous n'aviez pas le rapporteur public, vous aviez un commissaire du gouvernement, on ne connaissait pas le sens de ses conclusions, et on avait la parole avant dans une procédure écrite. Et on se levait en disant superbement, je m'en rapporte à mes écritures. On ne faisait que ça, puisque de toute façon, vous ne saviez pas où le commissaire du gouvernement allait porter le fer. Ensuite, on a inversé l'ordre de passage. Maintenant, on a une information quant au sens des conclusions du rapporteur et on a la parole après. Et les juges administratifs expliquent qu'ils trouvent que c'est intéressant d'entendre les avocats parce que les avocats, ils ont un peu changé d'avis. On voit que de temps en temps, ils nous posent des questions et parfois, on a des décisions qui sont assez loin finalement des conclusions du rapporteur. Et dans le même temps, on a une réduction de la place de l'audience devant le juge judiciaire. Et je dois dire aussi, puisque je vous ai dit que j'essayais d'être le plus honnête, qu'il y a une partie de la profession d'avocat qui est aussi responsable de ça, puisqu'il y a des avocats qui ne plaident plus du tout, qui déposent les dossiers, qui se comportent un peu comme, je trouve, moi, des prestataires de services qui se disent bah, « je suis payé, moins je passe de temps au palais, moins je passe de temps à l'audience, plus mon activité est rentable ». Mais ce que montre cette étude-là, c'est que c'est pas une bonne manière, à mon sens, d'envisager les choses, parce que pour la démocratie, si je peux utiliser cette expression qui est un peu déplacée quand on parle de démocratie, mais ça n'est pas rentable. C'est pas rentable sur le long terme, parce que vous avez des justiciables qui attendent des années un procès, et puis finalement, le procès, bah, c'est presque rien. Si c'est un avocat qui s'approche à la barre et qui dépose une cote pour une affaire civile qui, des fois, a des grandes conséquences sur la suite de leur vie, il y a une forme de frustration, parce qu'ils n'ont rien entendu, il n'y a pas eu d'échange, et je crois qu'il faut des échanges. Après, il faut peut-être repenser l'audience, repenser aussi parfois la plaidoirie des avocats, parce qu'on est à une autre époque, et que nous aussi, on entend qu'il y a énormément de sollicitations, qu'il y a un sous-effectif chronique et malheureusement un peu installé, mais il faut que ce temps de l'audience, et je trouve que c'est un des apports fondamentaux moi, de cette étude, que l'audience, c'est pas juste... Le système judiciaire, c'est pas un système dans lequel on rentre des choses d'un côté et puis de l'autre côté, il y a une réponse qui vient. C'est pas un système qu'on va régler avec une intelligence artificielle. C'est un lieu d'expression des êtres humains. C'est un lieu d'échange et c'est un lieu de discussion. Et parfois, on a droit à des scènes extraordinaires quand on est avocat. Je pense souvent à ce dossier d'homicide involontaire où à la fin, la famille de la personne décédée est allée prendre dans les bras l'auteur que moi je défendais, qui est venu pleurer dans les bras de l'épouse du monsieur qui avait été tué. Et elle lui dit je vous pardonne et je préfère être à ma place qu'à la vôtre et j'espère que vous aurez une belle suite de vie. Ben ça, c'est des moments magnifiques et c'est des moments qui n'existent que si on prend le temps de l'échange, quelle que soit la matière. Parce que, par exemple, deux voisins, si vous ne prenez pas le temps d'avoir l'échange entre les deux, la justice tombe avec une décision comme ça, qui souvent d'ailleurs est un peu insatisfaisante pour tout le monde. Et puis après, il faut que les gens vivent ensemble. Et l'expérience qu'ils ont eue de la justice, bah, c'est une expérience qui est globalement insatisfaisante. Alors, je pense que c'est difficile que la justice soit satisfaisante pour tout le monde, pour revenir sur votre question de questionnaire de satisfaction. Mais il y a des points qu'on peut quand même conserver, développer, améliorer, en tout cas avoir des points de vigilance pour qu'elle ne soit pas une expérience humaine extrêmement frustrante. Encore plus qu'elle ne peut l'être par sa nature, parce que je pense que c'est difficile d'avoir quelque chose qui arrive d'en haut et qui vient comme ça régir votre vie. Mais s'il y a un échange, l'adhésion peut être plus forte, en tout cas la frustration moins grande. Avant de prendre la question en chat, peut-être Cécile Vigourde, je crois que c'est dans votre étude, à moins que je mélange avec une autre recherche, que vous montrez ce qu'exprime Grégoire Nyongo, c'est-à-dire toute l'importance du processus et pas simplement de la décision. Et donc cette interpellation sur l'écoute, elle concerne tous les acteurs à chaque étape. Je crois que vous expliquiez qu'on peut être insatisfait d'une décision, mais satisfait du processus.
Ça, c'est vraiment un point très, très important. On peut être soit satisfait du processus et pas de la décision, ou l'inverse. C'est-à-dire que la satisfaction, elle n'est pas liée seulement à la décision. Est-ce qu'on a obtenu la garde de ses enfants, le montant de la pension alimentaire qu'on souhaitait, etc. Ça, c'est vraiment un élément crucial. Un certain nombre de personnes qui ont l'expérience des tribunaux peuvent être très en colère, faute d'avoir été entendu ou ne surtout plus jamais avoir envie d'avoir affaire à la justice, quand bien même ils pourraient y être incités par leur assurance, etc. Donc ça, c'est vraiment un enjeu crucial, et l'importance de l'audience. Vraiment, les enquêtés sont très attachés au fait de pouvoir rencontrer en personne le ou la juge et de pouvoir échanger des mots, ce qui n'est effectivement pas possible dès lors que dans beaucoup de contentieux, la majorité des audiences dure 5 à 8 minutes pour un certain nombre de contentieux de masse. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Il y a un grand courant de recherche américain qu'on appelle la justice procédurale qui insiste là-dessus. Si les personnes, et ça vaut pour la police ou pour la justice, ont eu le sentiment d'être écoutées, d'avoir pu expliquer pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, quand bien même ça n'était pas ce qui convenait et ça n'était pas ce qui était légitime de faire, quand ils ont eu l'impression qu'ils étaient traités de manière égale et juste, ça change complètement la perception de la justice et ça contribue à la confiance et à la légitimité de la police et de la justice, quand bien même c'est une décision de sanction. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu crucial, pouvoir laisser la parole malgré les temps d'audience courts. Je pense que le message sera bien reçu par les personnes qui travaillent au ministère, qui sont parmi nous. À moitié en plaisanterie, je m'interroge quand même sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir quand même à voir un petit peu les pratiques des psychanalystes en matière du rapport temps, écoute et argent, puisque vous l'avez évoqué sur la gêne ou la difficulté à demander de l'argent et la qualité de l'écoute qui n'est pas totalement corrélée avec le temps, même si bien évidemment 5 minutes dans certains cas, évidemment ça ne suffit pas. Hein. Mais voilà, il me semble aussi que à destination un peu de la formation de nos professions, cette notion de qualité est quand même un petit peu de disponibilité que vous avez évoquée aussi, est peut-être pas tout à fait la même que simplement la longueur. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une audience où on laisse parler quelqu'un sans interagir et où il n'a pas du tout l'impression d'avoir été entendu, hein, me semble-t-il. Oui, puis je pense que là encore, tout l'enjeu, c'est de pouvoir expliquer le mode de fonctionnement de la justice et d'être prévisible. C'est-à-dire, si les justiciables savent à l'avance que, parce que moi, les 15 ans avant de faire cette enquête, j'ai fait des enquêtes auprès de magistrats et de personnel de greffe. Quand je vais voir un magistrat, il sait en général quel est le délai de traitement d'une décision. Il sait à peu près quand est la prochaine audience. Donc, sauf imprévu, il serait possible, et c'est une recommandation de la CEPEJ, de dire bah, votre dossier, pour ce contentieux-là, en général, les délais sont de X mois et le temps à l'audience est court, mais le magistrat a examiné le dossier à l'avance. Ne serait-ce que ça, si c'est pas quelqu'un qui est représenté par un avocat, c'est absolument essentiel que les justiciables le sachent. Or, ça ne va pas de soi. Ça va de soi pour un professionnel ou quelqu'un qui connaît bien la justice. Ça ne va pas de soi pour quelqu'un qui n'a aucun contact de près ou de loin avec l'univers judiciaire. Donc vraiment, même à ressources égales, il y a vraiment un enjeu de communication, même sur des éléments qui peuvent paraître basiques et connus de tous dans la juridiction. Oui, juste pour rebondir sur ça, une petite anecdote. Il y a quelques années, je défendais, enfin, il y a longtemps maintenant, c'est prescrit largement, un juge d'instruction qui avait eu une difficulté, qui était mise en cause dans un dossier, dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile, et il trouvait le temps extrêmement long.
Et c'était vraiment très intéressant parce que vous aviez l'instruction qui se en fait déroulait à son rythme très habituel. Et moi, je recevais ces messages me disant, mais comment ça se fait? Ça fait un mois que je n'ai pas de nouvelles, ça fait deux mois que je n'ai pas de nouvelles. Et je me disais, en fait, lui-même, quand il était juge, je pense que si je m'étais amusé tous les mois à venir le voir sur le dossier en disant, qu'est-ce que vous faites là-dedans, il aurait trouvé ça absolument insupportable. Mais quand il est devenu justiciable, sa perception a changé, c'est-à-dire que dès lors que ça le concernait lui, bah finalement, il n'y avait plus qu'un seul dossier. Moi, comme avocat, je n'avais que ce dossier et le juge n'avait que ce dossier. Et c'est vrai, c'est ce que vous dites, ce que je pense qui est important. Je vais encore parler de dentiste, je n'ai pas de douleur dentaire particulière, mais un très bon dentiste, c'est aussi le dentiste qui, avant de vous faire mal, vous dit « là, ça va faire un peu mal ». Et on lui en veut jamais de vous avoir fait mal. En revanche, si jamais il ne vous prévient jamais et qu'il vous fait mal, de la même manière, au même niveau de douleur, vous allez lui en vouloir et le juger comme un mauvais dentiste. Mais pour la justice, je trouve que c'est souvent assez proche. On avait encore une question. Voilà, il y avait deux questions en ligne et ensuite, je crois, deux questions dans la salle encore. Et après, peut-être. Alors, en ligne, nous avons une question suite à ce que vous disiez sur l'utilité d'intégrer les citoyens au processus de justice. Donc, quand vous parliez des jurés, par exemple, en matière pénale, là, c'est plus une question du côté de la matière civile. Est-ce que vous avez pu évaluer la pertinence de la participation citoyenne dans la justice amiable pour évaluer l'impact de cette participation à l'adhésion des citoyens à la justice civile? Alors peut-être que je dis aussi une autre question totalement différente. Donc une question sur la symbolique judiciaire en Europe. On a une chercheuse qui travaille sur cette question dans la longue durée et qui aurait souhaité poser une question sur le paradigme du CARE dont vous avez parlé tout à l'heure. De ce point de vue, quelles sont les attentes de la symbolique judiciaire, donc architecture, image du palais de justice versus la maison de justice que vous avez pu observer et comment peut-on avoir confiance dans un lieu de justice où on vous dit tout se passera bien alors que fondamentalement le prétoire est un cadre potentiellement tragique où des drames humains se jouent tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Et après, je passe la parole. Très bien. Alors peut-être pour répondre sur la dernière question, l'image d'une justice surplombante, donc caractérisée par des rituels, un décorum, reste quand même très forte. Alors là, je pense que c'est lié aussi à pas simplement aux médias, mais aux films et donc à toute l'iconographie de la justice qu'on a en tête, ne serait-ce qu'en étant un téléspectateur. Donc ça, c'est un premier point. Et en même temps, ces rituels, pour les enquêtés, ça participe de l'autorité de la justice, d'une manière de s'affirmer et d'affirmer son rôle. Et de l'autre côté, c'est critiqué par la distance que ces dispositifs architecturaux, ces rituels instaurent. Et là où porte la critique de beaucoup d'enquêtés, c'est que ça introduirait aussi une distance bien au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'impartialité du jugement. Donc il y a quand même une critique de la justice surplombante, des habits aussi, qui peut être assez forte en évoquant, tourner en dérision, la comédia dell'arte, voilà, des propos qui peuvent être assez critiques, même si d'autres montrent que c'est destiné à assurer l'impartialité, l'objectivité de la justice. Et puis un certain nombre d'enquêtés montrent que la justice, elle peut être rendue dans des contextes très différents, suivant que c'est une salle de bureau ordinaire pour certaines juridictions prud'homales, suivant que le magistrat est en robe ou pas, suivant que c'est dans son bureau ou dans une audience avec, à l'autre extrémité, les salles d'apparat, par exemple, pour certaines cours d'assises, ou certaines juridictions qui ont beaucoup de dorures. Mais l'idée, c'est quand même que, pour les enquêtés, ça change complètement la manière dont la justice est vécue, suivant le cadre institutionnel dans lequel elle prend place. Et je suis désolée, j'ai oublié la... La participation des citoyens à la justice civile, notamment à travers les provinces. Alors, voilà, c'est pas étonnant que j'ai oublié, c'est qu'on a peu d'éléments là-dessus.
par rapport à tout ce qui est... on n'avait pas posé de questions spécifiquement sur les modes alternatifs de résolution des litiges. On avait juste une de nos petites histoires qui portait justement sur un cas classique de conflit de voisinage et où on leur demandait, eh bien, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce conflit ? Et l'enjeu derrière, à travers une histoire concrète dont on supposait qu'un certain nombre d'enquêtés pouvaient avoir été confrontés à un cas similaire, eux-mêmes ou leurs proches, l'idée c'était de réfléchir justement sur la question de la judiciarisation ou pas de la justice. Et donc là était évoqué le fait de se référer à un conciliateur, à un médiateur. Mais on a eu des réponses extrêmement diverses. Certains se tournant vers leur assurance pour prendre conseil, une majorité préconisant ce qu'a évoqué Maître Niango, donc déjà discuter avec son voisin, l'inviter à un apéritif, voilà, dans un cadre informel. Mais on a eu aussi des propositions allant jusqu'à solliciter le maire ou un conseiller, alors que la majorité des enquêtés dans les groupes de discussion, pour deux tiers d'entre eux, étaient dans une grande, vivaient dans de grandes agglomérations. Et donc, très peu ont pensé à la question que ça posait en termes d'impartialité et d'indépendance. Il n'y a que deux ou trois participants qui l'ont évoqué. C'est assez intéressant, mais les réponses étaient assez contrastées. Et malheureusement, on n'a pas eu l'idée de poser la même histoire dans l'enquête quantitative. Donc, ça ne permet pas de mettre en perspective. Alors, juste deux mots sur la question de la médiation. Je pense que le développement de la médiation et de tous les modes alternatifs de règlement, c'est une excellente chose parce que ça permet justement d'obtenir parfois des décisions des solutions qui emportent l'adhésion de tout le monde. Le mauvais versant de cela, c'est que ça ne doit pas servir à court-circuiter l'activité du juge. C'est-à-dire que pour moi, quand il faut qu'un juge statue, il faut qu'un juge statue. Et l'idée ne doit pas être, au lieu de créer des postes de magistrats, on déverse tout en médiation pour diminuer les stocks. Donc si c'est ça, ce n'est pas une bonne idée. Si l'idée, c'est justement de pouvoir obtenir des solutions intelligentes au-delà de ce que l'office du juge permet, moi je trouve que c'est excellent. Et la deuxième chose sur l'architecture des palais de justice, mais là comme avocat, je pense que vous allez me voir tous arriver, nous on a quand même une vraie difficulté avec ces nouveaux palais dans lesquels les juges sont inaccessibles. Et ça, je pense que les avocats étant auxiliaires de justice, et on sait leur rappeler, et c'est normal qu'on leur rappelle à certaines occasions, il faut aussi que nous, on se sente, je trouve, intégrés dans le processus de manière générale. C'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, on pouvait rentrer librement dans les bureaux des magistrats. Quand on allait à l'instruction, on se croisait autour d'un café et on discutait des dossiers, et je pense vraiment que c'était une excellente chose pour tout le monde, y compris pour le magistrat, puisqu'il y a certaines choses qu'on pouvait dire dans ce cadre-là et qu'on ne peut pas dire dans le cadre d'un échange de mails. J'ai un collaborateur, jeune collaborateur, je lui dis parfois quand il y a des difficultés, décroche ton téléphone ou va dans le bureau. Arrête d'envoyer un mail, arrête ces échanges-là qui sont informels et qui parfois font monter des histoires qui pourraient redescendre très facilement avec simplement un contact humain. Or là, ce qu'on voit dans les nouveaux palais, c'est que il n'y a plus du tout d'accès pour les avocats et on se retrouve des fois dans des situations complètement ubuesques. Je crois que c'est il y a une cour d'assises, il me semble que c'est à Strasbourg, mais je ne veux pas dire du mal, certainement pas d'ailleurs d'une cour d'assises de l'Est dont je viens. Mais il me semble qu'on ne peut pas, en tout cas dans la première version de l'architecture, l'avocat de l'accusé ne pouvait pas discuter avec son client, sauf à travers un hygiaphone, ce qui pose quand même quelques problèmes de confidentialité quand vous êtes à l'audience d'assises, ou alors il fallait faire une suspension et il devait prendre une espèce de petit ascenseur pour accéder dans le box derrière. Ça, c'est s'il y avait eu simplement une discussion avec les avocats dans le cadre de l'élaboration du palais, ça n'aurait pas coûté plus cher et on aurait pu dire tout de suite que ça posait un problème. Et j'insiste sur le fait qu'il me paraît important que les avocats soient associés à la réflexion de l'architecture. Il y a une belle étude qui a été faite sur cette question, d'ailleurs, sur l'architecture des palais de justice. Et l'évolution de l'architecture montre quelque chose de l'évolution aussi de cette justice et peut-être parfois un peu d'éloignement qui est pris progressivement. Deux questions. Il y avait madame et monsieur.
Oui, je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous précisiez la. Je voudrais que vous nous précisiez la notion d'indépendance telle qu'elle a été caractérisée par le panel de citoyens que vous avez entendu. Bon, la question a été abordée quelque peu tout à l'heure, mais est-ce que comment l'habitent-ils, comment la conçoivent-ils, compte tenu du fait qu'elle est largement, elle peut être en tout cas largement critiquée. Excusez-moi pour mon retard aussi. Du coup, j'ai raté les développements sur la méthodologie qui sont toujours importants dans les questions de recherche. Non, ma question est assez simple. Il me semble que sur la confiance, enfin, l'un des moyens de gagner la confiance du public et par conséquent d'éviter la crainte d'un arbitraire, c'est de pouvoir développer des cultures partagées, en particulier entre les magistrats et les avocats. Moi, ce qui me frappe un tout petit peu depuis que je suis un peu responsable de l'Association française de criminologie et que j'essaye de... Enfin, on essaye à l'ENM et on y arrive d'ailleurs à développer les formations autour de la criminologie et en particulier, par exemple, je pense à l'article de Martine Herzog-Evans sur l'éthique processuelle qui fait partie de la criminologie à la française, hein, si je puis dire. Ce qui me frappe tout de même, c'est que, d'une part, au sein de la justice pénale, les JAP sont dans le circuit, mais les juges correctionnels et assises, beaucoup moins. Ça, c'est pour les juges, je ne parle pas des parquets. Mais alors, avec les avocats, c'est pratiquement impossible d'imaginer un débat, ou en tout cas, quelque chose de l'ordre de la culture du partage autour de ces notions de criminologie. Et ça me paraît d'autant plus poser problème que j'ai commencé à entrevoir, grâce à une réunion du CNB organisée avec le directeur des affaires criminelles des Grâces, le directeur de l'administration pénitentiaire, le contrôleur des lieux privatifs de liberté, le parquet général de Paris, une réunion avec une convention à la clé autour de comment lutter sur la surpopulation pénale. Et la criminologie ou le recours aux notions criminologiques paraît bon. Donc là, il y a des questions de culture entre avocats et magistrats qui me paraissent garantir quelque chose, ou en tout cas quelque chose de l'ordre d'une promesse qui mériterait d'être travaillée. Mais c'est, je vous pose la question. Je vous prie aussi de m'excuser pour mon retard. Je suis avocate et par ailleurs, j'ai eu à traiter pour la Ligue des droits de l'homme quelque chose qui passe complètement sous les radars, qui est la problématique des amendes forfaitaires. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sur la confiance des jeunes, parce que dans les quartiers populaires où je rencontre ces jeunes qui ont 10 000, 20 000 euros d'amende, la confiance, elle est égale à moins l'infini, là. Hein, c'est pas... Donc, ça, je voulais le signaler parce que ça passe sous les radars. Et quand vous disiez qu'il y avait besoin de confiance dans la justice, mais il y a zéro confiance aussi, dans la mesure où l'amende forfaitaire, ça tombe dessus, parfois même simplement à distance. Ils ne savent même pas qu'ils vont avoir des verbalisations. Et également, ça se passe à Rennes. C'est-à-dire qu'il faut contester à Rennes, c'est-à-dire par Internet, en taille, voilà. Donc tout est dématérialisé. Et ça, je pense qu'il y a aussi cette problématique-là de ce qu'on évite complètement le juge. C'est une évolution qui est problématique et qui, malheureusement, se développe. Parce que si vous regardez la LOPMI, il y a encore plus d'amendes forfaitaires délictuelles. Alors peut-être que je peux commencer par ce dernier point. Donc notre enquête est antérieure, donc, en tout cas ça n'a pas été abordé. En revanche, compte tenu des résultats de notre enquête et de ce que j'ai dit par exemple en termes de justice procédurale, l'impossibilité de pouvoir expliquer pourquoi on a fait ce qu'on a fait, l'impossibilité de comprendre, je ne sais pas si dans ce cas-là les circonstances sont très précisément explicitées, ça renvoie aussi, est-ce qu'on a l'impression d'être traité de manière juste ou pas? Et donc là, il y a un risque évident de renforcer les tensions qui peuvent être importantes dans certains quartiers, pour certains groupes sociaux, l'impression d'être surcontrôlé, qui n'est pas d'ailleurs qu'une impression. Hein, c'est avéré que nous, on avait comme un indicateur le nombre de contrôles d'identité. Et donc là, on voit très nettement l'effet que montrent toutes les enquêtes statistiques. Plus le nombre de contrôles d'identité augmente, plus la défiance à l'égard de la police, mais aussi de la justice augmente. Parce que ça, c'est vraiment un résultat très fort de notre enquête qui nous a incité à élargir le regard et ne pas s'intéresser simplement à la justice. C'est que ces surcontrôles ou le refus d'un dépôt de plainte ont des effets
très fort et durable sur les représentations de la justice. Et c'est un autre point que j'ai pas abordé, mais qu'on évoque dans le livre. On ne peut pas considérer de manière générale les services publics, a fortiori les institutions régaliennes, de manière séparée, comme si c'était absolument étanche. Et plus généralement, il y a un lien avec la confiance à l'égard du monde politique, ce qui peut paraître peut-être contre-intuitif, mais comme ce sont des institutions régaliennes, la confiance, elle est envers la justice ou envers la police, elle est aussi liée à la confiance envers l'État ou la politique de manière plus générale. Alors, pour ce qui est de la question sur l'indépendance, alors, on a été surpris que ce soit aussi peu précis. Et par exemple, dans les groupes de discussion, il n'y a pas de distinction très claire et très nette entre indépendance et impartialité, par exemple. On fait des analyses dans un des chapitres, mais c'est nous qui requalifions les termes. On voit qu'il y a des éléments de référence. Et par rapport à ces questions, par ailleurs, cette question de l'indépendance est quand même relativement peu exprimée. C'est-à-dire qu'il y a peu de groupes où cette question-là est abordée. Contrairement, par exemple, aux inégalités face à la justice, on n'avait aucune question là-dessus non plus, mais dans tous les groupes, il en est question. Donc, c'est quand même intéressant. Et alors, l'idée derrière, c'est le fait que les magistrats, mais aussi les avocats, ne doivent pas pouvoir être influencés par les politiques, par des réseaux, même d'interconnaissance liées au fait d'être notables, pour le dire vite, dans leur prise de décision judiciaire. La question de l'indépendance, elle est posée par rapport aux grandes affaires politico-financières. Est-ce qu'il y a vraiment, par rapport aux affaires très précises qui sont citées, de se dire qu'il y a un contraste tel entre les faits reprochés et les sanctions prises, ou que il y a un peu une ère du soupçon. L'idée de se dire, c'est que si les peines n'ont pas été aussi sévères que eux se l'imaginent, pour des faits de corruption, etc., vu les montants mis en jeu, ils se disent, bah, y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, des secrets, des éléments de connivence. Et ça fait lien avec troisième question sur la culture partagée. Alors, il y a peu d'éléments là-dessus dans les groupes de discussion, mais en même temps, il y a quand même à plusieurs reprises l'idée qui est revenue que s'il y a des liens trop forts entre avocats et magistrats, ça risque de peser sur l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la justice et la définition d'une décision. Donc il y a l'idée que quand même, et notamment quand les enquêtés sont critiques, ça va avec l'idée de la comédie. Oui, il joue des rôles. Et alors là, pour le coup, peut être évoqué le parquet. Ils font comme s'ils jouaient un rôle différent, mais en fait, ils se connaissent, ils se font éventuellement la bise, et donc, ils jouent un rôle. Bien sûr. La criminologie n'en ont pas conscience. Sur les trois points, finalement, assez groupés, je vais être très synthétique, parce que je crois que le temps tourne, mais... ce que vous avez dit sur les amendes forfaitaires, c'est vrai que on est toujours autour de la même problématique. Comment écouler beaucoup de dossiers avec assez peu de gens, et si la réponse c'est court-circuiter l'accès au juge, je pense que c'est un vrai problème pour toutes les raisons que j'ai déjà dites. Ça m'amène à cette question sur l'indépendance et aussi ce que vous avez dit sur la criminologie. Il y a quand même une difficulté, alors là je vais parler que de la justice pénale, mais dans la perception aussi qu'on peut avoir de la justice pénale, dans la distance qu'il y a entre le juge du siège, qui est le juge qui juge l'État, et puis le parquet, qui en fait est la société, mais qui prend ses ordres auprès de l'État. Je le dis de manière très schématique, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Et de l'autre côté, vous avez l'avocat pénaliste, on va parler de l'avocat de la défense, qui lui aimerait avoir une espèce d'équilibre des armes avec une équidistance du juge, puisque le juge est indépendant et qui va juger aussi l'activité de l'État,
avec le parquet d'un côté et la défense de l'autre. On peut venir sur ces questions architecturales qu'on a évoquées tout à l'heure. Moi, je suis d'un tribunal dans lequel vous avez, par exemple, une juridiction interrégionale spécialisée, une GIRS, dans laquelle vous avez un couloir et le parquet est d'un côté et les juges d'instruction sont de l'autre et ils sont tous dans le même couloir. Et quand on veut entrer dans cette GIRS, il faut justifier du motif de sa venue, se présenter au SAS et on peut accéder. Et là, on voit tout le monde ensemble. Il y a une culture partagée là. Enfin, nous, on l'aperçoit comme ça. C'est difficile ensuite d'associer les avocats à des travaux communs quand ils portent sur des choses dans lesquelles eux ne voient pas directement l'intérêt. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de la surpopulation carcérale. Là, en fait, c'est un intérêt compris de tout le monde. C'est l'intérêt des avocats, c'est l'intérêt des juges, c'est l'intérêt des procureurs. Et je pense qu'on peut discuter assez facilement. Quand vous êtes sur des questions de déroulement des procédures, vous pouvez avoir des choses qui ressortent, qui ont pu être dites. On voit bien que, par exemple, la perception qu'a le procureur, la plupart du temps à l'audience, encore une fois, je fais des généralités, c'est ma place qui entraîne cela, mais sur le positionnement qu'il peut avoir, par exemple, sur les nullités de procédure qu'on soulève, parfois, quand on est avocat, on est quand même un petit peu perplexe, parce qu'on comprend, en fait, que le procureur fasse tenir sa procédure et soutienne, en quelque sorte, ses policiers, pardonnez-moi du raccourci, mais c'est comme ça qu'on le perçoit. Et on a, à côté, le juge, qui est dans cette position où il se dit l'intérêt général, ça justifie aussi qu'on puisse juger le dossier au fond, mais en même temps, il y a l'intérêt du respect de la procédure et effectivement, il peut y avoir un problème. Et puis après, vous avez ce truc merveilleux de l'existence ou pas du grief qui permet un peu de rajuster le tout et de trouver une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. C'est difficile d'avoir autre chose dans ces gros dossiers-là qu'une espèce de culture de l'affrontement avec le système tel qu'il existe de la part des avocats pénalistes dans les gros dossiers. De toute façon, quand vous êtes avocat, vous voyez bien la différence entre les petits dossiers, entre guillemets, les petites infractions, et quand vous entrez sur des gros dossiers de criminalité organisée, par exemple, vous sentez tout d'un coup que l'ambiance n'est plus du tout la même, et vous voyez très bien que votre rapport avec le magistrat, même avec des magistrats qui vous aiment bien, a priori, qui ont confiance en vous, qui s'entendent bien avec vous, vous voyez que là, il va y avoir un niveau de défiance un petit peu différent. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Sans doute que on pourrait s'enrichir mutuellement sur ces questions, notamment de criminologie. Ça suppose d'arriver à dépasser ce clivage-là et sur ces questions d'indépendance. Et j'en aurais terminé. Tout se rejoint finalement parce que c'est un peu cette idée du conflit d'intérêts à l'anglo-saxonne. Il faut pas que ça puisse avoir l'air d'un conflit d'intérêts. Le simple fait de saluer, je sais que quand on est avocat, si on salue de manière un petit peu trop amicale l'autre avocat dans un dossier qui est un dossier tendu, le client vous regarde et vous le reproche. Alors si à la fin ça se passe bien, s'il a eu le pitbull qu'il a payé, il sera content, je plaisante évidemment, mais si jamais à un moment ou un autre il a le sentiment que vous auriez dû dire quelque chose et que vous ne l'avez pas dit, il se dit, en fait c'est une espèce de grande pièce de théâtre, ils sont tous amis et puis ils vont certainement pas se disputer pour pouvoir défendre ma cause. Alors que je peux vous dire que les plus gros incidents que j'ai eus, c'est avec des avocats que j'aime bien et des magistrats que j'adore. C'est-à-dire que quand on a un magistrat qu'on aime beaucoup, qu'on estime beaucoup, si à un moment il fait quelque chose qui vous déçoit très fortement, vous n'allez pas lâcher. Vous allez monter au créneau et vous allez dire c'est pas possible. Ce magistrat que j'estime, il peut pas se comporter comme ça. Bon, d'autres qu'on aime un peu moins, on se dit, bon, il est à la hauteur de ce que j'attendais de lui, c'est un peu méchant. Mais j'imagine que les magistrats, vous en avez autant du côté des avocats. Et je pense que parfois, les magistrats sont sévères avec les avocats. Quand les avocats les ont aussi déçus à l'audience par leur comportement, ils doivent les tenser de manière beaucoup plus importante que quand c'est un avocat qui a habituellement un comportement plutôt déplacé. Donc effectivement, il y a un travail sur une culture commune et il y a aussi un travail sur tous ces éléments de représentation, d'indépendance, d'apparence globale. Moi, je suis très attaché à tout ça, à la solennité, parce que je pense que c'est aussi pour le justiciable un moment important dans sa vie, toujours. Merci beaucoup. Merci à tous. Pour respecter l'horaire, puisque l'objectif, c'est que le maximum de personnes puissent participer à ces débats, donc que ce ne soit pas trop long, nous allons clôturer. On voit bien que
à travers le sujet, on tire beaucoup de fils qui soulèvent d'autres débats. Et puis, je rappelle que de toute façon, c'est un axe de travail, la question des attentes, des besoins et des demandes de justice, qui est très important pour notre institut. Et d'ailleurs, que nous publions, c'est déjà en ligne, enfin, en tout cas, dans les jours qui vont venir, un appel à projet de recherche sur ce thème-là. Voilà, pour les chercheurs, mobilisez-vous, engagez-vous, hein, et on examinera vos projets. Merci beaucoup à Cécile Vigour et Grégoire Niango et à vous tous. Merci.